Ravi de vous voir. Bonjour madame. Madame la directrice de l'école, madame plaisir de vous voir. Guenet. Très bien, très bien. Bon, je suis content d'être avec vous, bonjour. Je suis entouré d'une délégation très importante de chefs d'entreprise dans différents domaines que je ne vais pas citer. Demain, je signerai avec les autorités mongoles une série d'accords et nous voulons que la technologie française, le savoir-faire français accompagne le développement équilibré de la Mongolie. Je participe à l'invitation de M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, à un voyage officiel à une délégation française d'entreprises qui viennent travailler avec la Mongolie. Et M. Fabius a jugé que le droit aussi s'exportait, que la France avait des choses à dire dans ce domaine. Et nous sommes là pour apporter à nos confrères mongols, nous aussi, un savoir-faire, comme d'autres entreprises françaises sont là pour apporter leur savoir-faire. Оролцод дэмжлэг үзүүлж байгаагаар бид нэний үр дүн бол үзчихэл энэ юу гэхээр 2013 онд дэлхийн латин нитратын холбооны гишүүн болсон. За энд бол Францын одоо латин нитратын холбооны ерөнхийлөгч нөгөө Жан Пол тийм Жан Пол Декарпс ба Эбрар La présidente de la Chambre des notaires de la Mongolie, Madame Ayush Oyochimek, et le président du Conseil supérieur des notaires français, Monsieur Jean Tarad. Présenter le président des notaires de Mongolie. Très bien. La France veut travailler avec la Mongolie dans tous les domaines, l'industrie, l'espace, le transport, la défense. Et nous, dans notre domaine en tout cas, puisqu'on travaille dans le domaine nucléaire, c'est très régulé. La Mongolie est un état de droit, donc il y a une loi sur l'énergie nucléaire, il y a par ailleurs une loi sur les investissements étrangers, donc c'est dans ce cadre législatif très strict que nos accords ont dû être négociés.